Salut les Smilers, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. On va aller dans les nuages, on va faire une petite actu. À New York, des nouveaux distributeurs de stylos ont vu le jour. Sauf qu'en fait, c'était des malfrats qui avaient remplacé les stylos par de la drogue. C'est fou, hein, chérie, comment notre petit Henri devient studieux. Quoi, encore? T'es sûr que t'as encore besoin d'un petit stylo? Allez, c'est parce que c'est toi. Petit Einstein, va. Je suis fier de lui, ma chérie. La bande-annonce du film La Nonne a dû être retirée car elle a été jugée trop effrayante. Moi, ayant vu le film, je pense que surtout que c'était la seule scène qui pouvait faire un tout petit peu peur. Et donc, du coup, je pense qu'ils auraient pu quand même utiliser ça dans la bande-annonce. www.surterrestre.net com. Un nouveau phénomène de mode est arrivé chez les filles. Mettre des fourmis vivantes dans des faux ongles. Ok, donc la prochaine fois, mettez-les plutôt dans votre cerveau. Je pense qu'elles auront beaucoup plus de place. L'invisible challenge, c'est le nouveau phénomène à la mode qui fait le buzz sur la toile. C'est faire croire à son enfant qu'il est devenu invisible. Ça peut être pratique dans certaines conditions. Je veux l'iPhone à 1659 euros. Qui me parle ? Je veux l'iPhone à 1659 euros. Une directrice d'école maternelle en Chine a voulu animer la rentrée cette année en commandant une danseuse de pole dance. Et bien entendu, ça a fait scandale auprès des parents. Jason, va dans ta chambre, égoïste, va. Même pas inviter ton père. Et voilà les Smilers, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous. Making history.